Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on reprend, c'était la dernière fois d'un walkthrough de Company of Heroes opération Barbarossa. Cette fois-ci on va s'attaquer au défi solo qui s'intitule Défense hivernale. Environ de Leningrad, Russie, URSS, décembre 1941. L'arrivée de l'hiver a ralenti la progression des Allemands, mais c'est aux soldats de l'armée rouge qu'un combat tâche de résister aux assauts fascistes. Une poignée de soldats soviétiques doit défendre un point près d'un cours gelé. Donc, défendez un mirador isolé contre les vagues assaillant ennemis. Donc, à peu près en moyenne, c'est à peu près 25 minutes. Donc, vous recevez des ressources et des renforts entre deux vagues. Vous ne pouvez pas établir de structure base, mais vous pouvez construire des défenses. Une fois que vous obtenez un poste de commandant, vous pouvez mobiliser des recrues frontoviki supplémentaires. Excusez-moi, je suis un peu fatigué et malade. Donc bien évidemment, il faut les empêcher de capturer le Mirador et une zone défendre face à des vagues successives d'ennemis. Bon, ça change pas d'ordinaire. Hein. Je m'excuse encore de la mission précédente que je me suis un peu énervé. Je me suis énervé dessus, je l'avoue. Hein. Mais bon, quand on s'entraîne pendant des heures et que tout passe mal quand on filme, et même que j'ai filmé 4 fois la vidéo d'avant pour vous dire, c'était la meilleure des prises, donc c'est pour vous dire. Mais bon, normalement ça devrait tous bien se passer, les gars. Ne vous inquiétez pas. Cette position est d'une grande importance stratégique, camarade. Il ne doit pas tomber entre les mains des Allemands. Les Allemands attaqueront de l'autre côté du fleuve gelé. Alors tirez profit de la glace. Des troupes et des ressources supplémentaires arriveront au fur et à mesure que vous repousserez les vagues allemandes. Bonne chance, camarade. Groupe de la garde. Mission que je... Position. Ouais, elle est sympathique, je vais pas mentir. Mais c'est pas forcément ma préférée de tous. On bâtira cette structure. Ouais, c'est qu'on n'a pas de munitions, en fait. Donc moi, je vous conseille de miner un peu toutes les approches possibles, hein, mais vous pourrez pas. Mine anti-char prête à sauter. C'est pas compliqué. Ça sera compliqué de tout éliminer. Bon, l'avantage des mines, c'est que si jamais un véhicule passe dessus, c'est qu'au moins vous détruisez le véhicule. Quand c'est une infanterie qui passe dessus, ben. Soldats du génie, on y va. Vous ne l'éliminez pas. Alors, ce que nous pourrons déployer, bon, c'est des recrues frontoviki. Nous en déploierons en masse. Des vols de reconnaissance. Et des mitraillages DL2 d'appui. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour voir s'il n'y a pas des choses secrètes un peu plus haut. Allez, faites vite! Allez! Allez! Ouais. J'ai un petit conseil quand même, améliorez vos troupes que vous avez pendant vos missions. Par exemple, j'aurais dû améliorer les fusées de la garde, mais j'ai pas de bulletin pour les améliorer. J'ai pas encore fait ce qu'il fallait. Par là-bas! Ils arrivent! Ça nous réchauffera de bouger, c'est toujours ça. Je crois qu'il y a une mitrailleuse de planque quelque part, mais à vérifier. Allez. Je me suicide très bien. Restez pas plantés là. On bouge. Allez. Bon, l'avantage du Mirador, quand vous jouez en partie normale, c'est que de 1, vous pouvez mettre une escouade à la personne qui capture le point, vous pouvez mettre une escouade dedans. De 2, ça vous permet de dévoiler une zone autour. C'est quand même toujours pratique de voir un plus grand périmètre. On a éliminé un groupe d'infanterie. Camarades, recrues prêtes à se battre. Ouais, ça me dit tu es autant d'ennemis. Heureusement que les munitions ne sont pas comptées. Attaque d'infanterie ennemie. Donc l'attaque DL2, c'est vraiment une attaque très efficace pour contre l'infanterie et les véhicules légers. L'infanterie, ça permet de les mettre en suppression. Donc l'infanterie se battra beaucoup moins efficacement. On lève le camp. Tiens d'ailleurs. On lance le chantier. Ici, il suffit qu'un véhicule passe, ça fout ça en l'air, mais bon, c'est pas mal. Hein. Ouais, des renforts. Fusilier prêt. Par contre,
très très important. Groupe, en avant. Protégez vos fusillés de la gare. C'est-à-dire, utilisez beaucoup cette compétence, vous ne devez pas les perdre. C'est votre meilleure unité. La perte serait vraiment gênant. Je ne vais pas vous mentir, j'ai déjà perdu les deux fusillés de la garde dans cette mission et vous avez beaucoup de mal à la terminer. Section Frontoviki arrivée pour le combat. C'est aussi un peu le but si vous les perdez. Structure achevée. On lance le chantier. L'ennemi nous prend pour cible. On bouge. C'est fait. Tous à couvert. Il y a un groupe d'infanterie ennemi en moins. Il faut détruire quelque chose. Recrue Frontoviki prête à être déployée. J'ai vu des morts. Oh. Oui, camarade. Haute construction achevée selon vos ordres. Il faut y aller. Vite. Ils viennent tous de gauche pour l'instant, donc j'ai envie de dire c'est parfait, hein, ça m'évite d'avoir trop de pertes à droite. Marche. Bougez-vous. Restez planqués. Camarade, il faut qu'on bouge. Et récupérer aussi les armes que vous pouvez récupérer. Ça, je pense que c'est logique. Vous avez ripostez, camarades. On est prêts. Cette section a perdu des hommes. Donnez-lui un coup de main. On vous affecte dans une autre section. Recrue, aidez cette section. Voilà. Prêt. Je déconseille par contre de... Destination confirmée. Allez. Je vais mettre des barbelés ici. Au boulot, les gars. Le sniper du gars. Section Frontoviki arrive. Par contre, je déconseille de... On attend les ordres. Bon, il faut déjà PTRS. Ça, c'est certain. Dites-nous ce qu'il faut construire ou détruire. Vous repliez-vous. Soldats, on se replie. Je déconseille d'améliorer les troupes de Frontoviki avec des mitrailleuses PSH, tandis que vous ne serez de manière générale pas à courte portée. Mais plutôt à moyenne longue portée. Donc, Infanterie ennemie neutralisée. Infanterie ennemie. Les snipers sont très utiles, moi. En avant. Ils vont apprendre. Frontoviki arrivé pour le coup. Reconnaissance aérienne en attente. Voilà. Et une MG, une. Soldat du génie en route. Recrues attaquées. Quels sont vos ennemis abattus? Allez, avancez, il y a une mine. Allez, il y a une mine, allez. Je vois que ça vous intéresse. Et voilà. Groupe en attaque. Tire de mitrailleuse lourde sur nous. Ici. Les sections Frontoviki sont bon, dommage, votre mine, j'aurais aimé qu'elle pète pas, mais bon. Les salauds. Qu'est-ce qu'il y a au programme? On change de position. Oui. Je rejoins l'endroit. Ils nous tirent dessus. Éliminez-les. Rejoignez cette section. Contact. Elle a besoin d'autres hommes. Ah, voilà. Section Frontoviki arrivée pour le combat. Sturmovik d'appui aérien rapproché disponible. Camarade, des ordres. On est attaqué. Deux troupes de la fusée cette de la garde. Cette section a besoin d'aide. Vous l'aiderez à combattre. Voilà. Alors, les MG42 vous seront indispensables pour à la suite de cette mission. On bouge. D'ailleurs, c'est pour ça que vous pouvez constater que je me suis dépêché d'aller les récupérer. Vous croyez que c'est une bonne position? Préparez-vous, on bouge. Recrue Frontoviki prête à être déployée. C'est qu'on va mettre comme ça. Vous avez des ordres? L'armée rouge à votre service. Recrue. On nous tire dessus. Cette section a besoin d'hommes. Et cette saleté d'autoblindé. C'est comme si votre vie en dépendait. Ici. Recrue. Aidez cette section. Voilà. La section a besoin de vous. Allez-y. Et voilà les deux arcs de cercle. Je couvre tout le flanc droit. Et ici, bon, ici c'est un peu léger. Mais je couvre globalement aussi à gauche. Tire ennemi. Un amateur. Arrêtez la construction. Ouais. Planquez-vous. Notre courage a été récompensé. Section Frontoviki arrivée pour le combat. Attention, je ne montrerai pas votre feu. L'infanterie ennemie nous tire dessus. Bon, j'aurais bien aimé avoir un poste de soin. Besoin de quelque
quelque chose? En bataille! Butez-les! Ils tirent sur nous! Il va falloir embouter. J'ai éliminé un groupe d'ennemis. En bataille! On se fait tirer dessus! Le groupe est mort! Mais on ennemi mort! On a éliminé un groupe d'infanterie! Cette section a perdu des hommes! Oui, je faisais des véhicules, c'est bon. On vous affecte dans une autre section. Rejoignez cette section. Elle a besoin d'autres hommes. Et normalement, j'ai un canon de 42 mm. On déplace notre pièce d'artillerie, les gars. Qui arrive? J'ai marché dans mes traces. Ce sera. Rejoignez cette section et combattez. Ne nous décevez pas. D'un camarade. Vous remplacerez ceux qui ont rendu l'âme. Recrue, rejoignez cette section. Voilà. Nous sommes déjà à la cinquième vague. Mais maintenant, c'est le plus dur qui arrive. Hein. Cible du Sturmovik confirmée. La fierté de l'aviation de l'armée rouge. Tirez-les en approche. On est prêt. Oui, camarade. On a perdu un homme. Attention. Mais ce n'est pas fini. Il est mort, camarade. Voilà. Il était temps qu'on soit promu. Quels sont vos... On a les actifs par un blanc d'ennemis. Ah mince, j'ai pas de noir dans le t-shirt en fait. Travail, cible. Ça c'est déjà plus. Tire d'infanterie sur nous. Quoi? Allez, on bouge. Section frontale qui arrive. On écrase. Contact hostile. On est prêt. Opal gymnastique. Ivan, Dimitri, avec moi. On a reçu une promotion. Où est-ce qu'on doit aller? PTRS a perforé le plaquage. Allez, faites vite. La garde, avec moi. On a plus vite. Bon, ça va, le premier char n'était pas le plus compliqué à dégommer parce qu'il s'est mis sur la glace. Là, longtemps, en fait, des frappes aériennes comme ça, c'est, vous voyez, la glace est déjà très endommagée et à certains endroits, elle a déjà craqué. Et si la glace est suffisamment endommagée à certains endroits, elle peut céder d'elle-même. La section a besoin de vous. Allez-y. Il suffit qu'il y ait un char qui passe dessus ou qu'il y ait un peu trop de poids, la glace va se casser. Et d'un coup, vous dégommerez, oh tiens, un char en moins. Et ça, très facilement. Il faut construire quelque chose. Par contre, lui, je vais le détester. Le sniper. Serrez bien vos bottes. Frappe aérienne autorisée. Faut vous mentir, j'ai utilisé beaucoup de munitions là, maintenant. Contact avec la frappe d'ici. C'est un des moments que je déteste le plus de cette mission. À votre moment-là. Service. Des sections Frontoviki sont disponibles. Allez. Section Frontoviki arrivée pour le combat. Vous avez des ordres? Notre sort court, le camarade. Cible détruite. Les recrues attaquent. Remuez-vous, fais gaffe. Un gros ennemi en moins. On a trouvé l'ennemi. Deux en moins. Il en reste deux. Il y a même un des endroits d'ailleurs à gaz à l'air cédé, j'avais pas remarqué. Et un moins. Et j'ai gagné une nouvelle mitrailleuse. Préparez-vous à déplacer cette foutue mitrailleuse. On exécute les ordres. Recrue Frontoviki prête à être déployée. Nous n'avons qu'une chance. Grouillez-vous. Les soldats sont prêts. Oups. Prêts. Soldats, enlève le camp. Vous disiez. C'est l'heure de faire très bien. Nous avons des mitrailleuses, nous avons des troupes. Section Frontoviki arrivée pour le combat. Ce que je veux dire, ça sentait la frappe aérienne. Ils arrivent, ennemis, contact avec l'ennemi, camarade. Yes, Dark, contact hostile, canon. Quoi? La carte passe à l'attaque. Ça doit faire mal. Camarade, il faut y aller, là. Soldat du génie. Tourmovic d'appui aérien rapproché disponible. Oui, camarade. Et en tout cas, c'est que j'ai l'AMG qui va surtout courir là. Si on constate. Et je vais avoir la. Attention! Défendez-vous! Cette
Cette section a besoin d'aide. Précis, vous l'aiderez. Je vais surtout avoir l'AMG qui couvre là et je vais surtout avoir l'autre mitreuse qui va couvrir ici. J'ai éliminé un groupe d'ennemis. Descendez-les. Voilà. Hey, en route, il nous faut les morts attaquer. Putain, j'ai horreur de ça. On a pris des galons, mes frères. On constate que l'aviation ennemie nous a fait quand même très mal. On est la flotterie de la garde, et eux, ils sont morts. Ici, soldats du génie. On bâtira cette structure. Fusiliers prêts. Nourrice. Vous remplacerez ceux qui ont rendu l'âme. Groupe d'ennemis abattu. Rejoignez cette section et combattez. Ne nous décevez pas. Vous voulez crever ici? Alors bougez. Groupe d'ennemis éliminé. Soldats du génie en attente. Maintenant, les vagues bonus. Structure achevée. Le bâtiment sera construit. Je crois qu'il faut tenir 10 vagues en tout, en comptant les vagues bonus. Bien joué, camarade. Mais les fascistes ne rebroussent pas encore chemin. Préparez-vous à repousser de nouvelles vagues d'assaillants. L'infanterie nous tire dessus. Les fantassins ennemis. Laissons les ordres. Tout de suite. Un ennemi en moins. Quels sont les besoins? Oui, camarades, ils ouvrent la paix sur nous. L'ennemi tire. Il faut savoir que les munitions perforantes sont très efficaces pour les appareils. Et mince. On change de position. Les mortiers vont être chiants aussi, mais bon. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ennemi tire! Spariez-vous! Les Allemands attaquent! Allumez-les! Bien évidemment, les mortiers peuvent être aussi utiles en défense. On est attaqué! Là, je pense que vous en doutiez. Section Frontoviki arrivée pour le combat. Vous avez des ordres? T'as envie d'être un héros? À l'assaut! Oui, camarade. Il faut y aller! Tire rapide! Comment on peut le détruire avec des bagues normales? Allez-y! Ripostez! Qu'est-ce qu'il y a au programme? Il faut qu'on bouge! Chargez-moi ce tube! Vite. Plus vite! On est attaqué! Des sections Frontoviki sont disponibles. Besoin de quelque chose? Démontez ce mortier, on bouge d'ici! On est. Allez, allez, allez! Des sections Frontoviki arrivées pour le combat. On se tire d'ici! On vous affecte dans une autre section! Recrue! Aidez cette section! Quel couillez-vous! Bon, par contre. Là, il y a un petit temps mort, je vais pas vous mentir, section. J'en profite, étant donné que la j'ai totalement neutralisé ce véhicule-là, il n'y a plus d'armes, il n'y a plus rien qui peut vraiment me faire des dégâts, donc je vais en profiter. Vous remplacerez ceux qui ont rendu l'âme! Vos ordres, camarades! Rejoignez cette section et combattez! Ne nous décevez pas! Recrue Frontoviki prête à être déployée! Bon, bah, tant pis. Recrue! Cette section 3 ici, a il manque un soldat dans un groupe de fils de la garde, voilà. Donc, cette mission, en fait, ça vous demande de beaucoup utiliser les troupes allemandes, voilà, les équipements allemands. Ça fera circuler le sang. Étant donné que vous aurez qu'une mitrailleuse, vous avez constaté que j'ai quand même eu très tard cette mitrailleuse et la MG Mach 42 m'a quand même beaucoup aidé en début de partie. Anatoly, Bogdan, avec moi. Et en plus de ça, ça fait déjà 2 mitrailleuses de plus, ça fait 2 mitrailleuses au lieu d'une, en plus, donc ça fait 3 au lieu d'une, et vous récupérez 2 mortiers. Et comme j'ai déjà pu expliquer une fois, les mortiers sont très efficaces combinés avec les... La section a besoin de vous. Allez-y. Avec les mitrailleuses. Quoi ? Les soldats sont prêts. Marchez dans mes traces, ce sera plus facile. Et un map aussi est très. Un mortier nous tire dessus! On y va! Bon. On a perdu un camarade! Besoin d'un appui anti-char léger! Oh là là là! On fait mouvement, camarade! Ce véhicule va être très. On change de crèmerie!
dépasser les deux phases. Frappe du Sturmovik en cours. IL-2 à l'attaque. On subit des pertes. Quels sont les besoins? Où est-ce qu'on doit aller? Allez, sortez de l'île de tir! À l'attaque! Un amateur! Faut que je fasse sauter déjà ça en fait. Mon flingue s'oreille! Mortier des piscines! En route, camarade! On les a massacrés! Qu'est-ce... On est parti! Section Frontoviki est arrivée pour le combat. Cette section a besoin d'aide! Vous l'aiderez à combattre! Cette section a perdu des hommes! Je présente le... Donnez-lui un coup de main! L'ennemi nous tire dessus! Un blindé ennemi! C'est un canon d'assaut. Un blindé ennemi! Serrez bien vos bottes! Rejoignez cette section et combattez! Comme tous les canons d'assaut, ils ont quelque chose qui est vraiment gênant. Unité de mortier à vos ordres. Un véritable miracle, ce tir de section de mortier prêt. C'est que les canons d'assaut sont très efficaces contre l'infanterie. On fait mouvement, camarades. Et le Stuger va vraiment mettre à mal vos positions. Si vous êtes à couvert, ça passe encore. Et mes fusées de la garde sont en gradé au maximum, ça passe très bien. Mais imaginez si j'avais pas détruit le mortier. Vous l'aiderez à combattre. Ils nous ont vus. J'étais obligé de rester à couvert pour pas mourir. Allez, faites vite. Et je suis bombardé dans ma base. Allez, en route. Donc ça, c'est le risque en fait qui peut se passer si vous faites pas une sortie. De se voir bloqué dans son dans ses lignes défensives et de pas pouvoir sortir. Ce qui est d'ailleurs la pire des choses qui peut arriver. Bordel, ils vont tous nous tuer. Des ordres. On vous affecte dans une autre section. On est prêts. Rejoignez cette dernière section. Vague, tu as besoin d'autres hommes. PTRS à faire forer le blindage. On y va. Quoi? La garde, avec moi. Faites gaffe à ce char. On attend les ordres. Ordre reçu. Stop. Un blindé nous a vu. Où est-ce qu'on doit aller? Bon, l'avantage pour moi, c'est qu'il est, étonné que je sois recouvert, il fait pas encore trop de dégâts. Mais il peut vraiment faire très mal. Cette section a perdu des hommes. Donnez-lui un coup de main. Et la vague finale. Ordre de déplacement reçu. Il faut bien qu'elle arrive quand même, celle-là. Ça, on s'en fiche. Ça va tomber. Allez, allez. Ça, c'est juste pour dire qu'on est là. Ils arrivent. Allez, cette saleté d'auto blindée. Voilà. Cible du Sturmovik confirmée. Ça va chauffer. Oui, camarade. Unité de mortier à vos ordres. Un char ennemi nous tire dessus. Besoin d'un... Marchez, marchez, on ne fait que marcher. Menacez. Et voilà. Vous voyez avec le mortier. Cette victoire et bien d'autres menées contre les fascistes finirent par stopper l'avancée allemande en Union soviétique. Leningrad, Moscou et d'autres villes clés allaient résister. Et l'armée rouge finirait par pénétrer le cœur même de l'Allemagne. Et voilà, c'est ainsi que nous terminons cette mission. En fait, le manque plutôt de cette mission, je ne vais pas vous mentir. Les MG42, vous les éliminez avec les snipers, donc c'est assez simple. C'est le moment avec les Stug-E, étant donné que c'est là où ils peuvent vous faire le plus de dégâts. Le tigre est extrêmement simple à détruire pour la simple bonne raison qu'il est sur la glace. Plus un char est lourd, plus il est fragile sur la glace, et vous rajoutez un coup de mortier dessus, vous avez constaté, et je l'ai tout de suite coulé. Donc le tigre n'est pas du tout un problème. Donc c'est pour vous dire que cette mission est vraiment simple, suffit juste de conserver ces deux troupes de fusées de la garde pour les Stug-E. Après, bon, si vous avez pour le tigre, je vous dirais, ça serait vraiment bien. Mais bon,
Parce que ça arrive parfois qu'il ne soit pas sur la glace. Et dans ce cas-là, bah, c'est beaucoup plus compliqué de détruire. Mais bon, quoi qu'il en soit, pour nous, ça s'est bien passé. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez passé un agréable moment à mon compagnie. Quoi qu'il en soit, je vous dis à la prochaine fois et portez-vous bien.